Good morning, Aleiden, les Israël aujourd'hui, les Loïnishmat, Moriver Bishmuel, Ben Shalom Bazalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batranan, Chel Shalom Ben Esther, Richard Batrim Nechemia, Lorle Bat Beila, Shalom Ben Chemiba, ainsi que le Fouata Vamori, Ben Reout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maseret Vachim, Perek Yud Bet, Mishnah Dalet. Kol Akodashim, Sheera, Bahen, Psoul, Kodem, Lev Shetan, En Orotehem, La Kohanim. La Harev Shetan, Orotehem, La Kohanim. אמר רבי חנינא סגן הכהנים, מימי לא ראיתי אור יוצא לבית השריפה. אמר רבי עקיבא, מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שיאותו הכהנים באורו. והחכמים אומרים, אין לא ראינו ראיה, אלא יוצא לבית השריפה. Continuons à parler des אורות, des peaux, des animaux, que des corbanot, קודשי קודשים, qu'on a apporté au Beth Amikdash. Qui était offerte ensuite aux Kohanim. C'est un des cadeaux que la Torah a fait aux Kohanim pour leur travail. Parmi les parts de viande qu'ils doivent manger à l'intérieur de la Hazara, quand c'est des Kodesh Kodeshim, des Khatot et des Hashamot, alors ils reçoivent aussi même la peau qu'ils pourront ensuite, bien sûr, prendre chez eux et en faire du cuir. Ça coûte beaucoup d'argent. D'accord ? Maintenant, la Mishnah va s'intéresser maintenant à me dire. Que se passe-t-il lorsque le korban a eu un psoul, qu'il a été invalidé? On a évoqué un petit peu le sujet dans le Mishnah Bet. Cette fois-ci, cette Mishnah va beaucoup plus développer le principe. Ça va même un peu se contredire. On va voir au fur et à mesure, on va rentrer quand même quelques petites notions, histoire de mettre chaque chose à sa place. La Mishnah commence en me disant « Kol ha-kodashim she'era ba'in psoul kodem le'ev shetan » Tout korban qui a subi un psoul, une invalidité, « kodem le'ev shetan » avant que le corban ait été dépecé, qu'on a retiré sa peau, en orotehem la kohanim. Leur peau ne sera pas offerte au kohanim. Elle ne reviendra pas, mais elle se fera plutôt brûler. La harev shetan, par contre, si le psoul, la cause qui a rendu invalide le corban, s'est produit les harev shetan après que la peau a été dépecée, orotehem la kohanim. La peau reviendra au kohanim. J'illustre, c'est très simple. J'avais importé une ola, un khatat, un korban. Le Kohen l'a égorgé, a reçu le sang. On va même supposer même que le sang il a été aspergé, comme la halakha le requiert. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, lorsqu'on s'est apprêté à la dépecer, alors il y a eu elle est entrée en contact avec une impureté, avec un shéret, avec un reptile mort. Qui était là-bas à Bidouk, à côté de la Hazara, il a rendu invalide le korban. D'où la question. La peau, la chair, maintenant, elle ne pourra plus être consommée, puisqu'elle est devenue ptmea. Donc, il va falloir aller la brûler au Beth Asrefa, à l'endroit où on brûlait tous les restes de korbanot. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau? Est-ce qu'on a le droit de dépecer le korban avant de brûler la peau? Ou bien non, en l'état, tu prends, tu le brûles. D'accord? La Mishnah me dit, ben, puisqu'avant que tu dépecces l'animal, que tu retires sa peau, la viande a été invalidée, impropre à la consommation, le korban est entièrement pasoul, tu te dépêches d'aller le brûler. Tu vas le brûler même avec la peau. D'accord ? J'ai lu dans le Rite Base, un commentateur du Rambam, qui là-bas, il explique que c'est un problème de bizayon bakodshim, un mépris sur les kodshim, étant donné que le korban, maintenant, quelque part, le korban, ça devait être un cadeau pour Hachem, et il a subi, il a été invalidé, il a été recalé. Donc maintenant, il fallait le brûler. Tu vas pas commencer à venir maintenant et à me retirer un petit peu les poils par-ci et les sabots par-là. Tu prends tout, tu vas le brûler pour l'honneur du kadosh, des corbanotes qui sont saints. C'est un peu un bisayon, quelque part, de se mettre à la dépecer. D'accord? Ça, c'était le petit supplément que j'ai découvert dans le rite base en éclaircissant un peu le salachot. Donc pour le moment, on a expliqué la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah me dit « La harev shetan ». Si ça s'est passé après que la peau a été dépecée, orotehem la kohanim, la peau reviendra au kohanim. C'est-à-dire, je reste dans mon exemple pour le moment et j'apporte une précision supplémentaire. D'abord, je reste dans l'exemple. Une fois qu'on a aspergé le sang, on est parti, on a dépecé la peau. Et ensuite, on s'est apprêté maintenant à récupérer les perles et à la partager avec au kohanim. Et là, c'est passé que l'animal, donc dépecé, est entré en contact avec un shéret. Toute cette viande, il va falloir la brûler, elle ne pourra plus être consommée. La peau, puisqu'elle a déjà été dépecée, tu pourras la donner au Kohanim. Mais il y a même plus que ça.
c'est de rapporter ici dans le Tiferet Israël que même si l'incident s'est passé avant la Zrika, j'explique un peu mieux de quoi on parle. On a pris l'animal, j'avais amené mon khatat, on l'a pris, on l'a égorgé, on a réceptionné le sang, on n'a pas encore aspergé le sang, mais on a déjà eu le temps, imaginez qu'on a déjà eu le temps de dépecer l'animal. Et seulement après, avant même qu'on puisse, que le Kohen ait jeté le sang sur le mizbéach, ait aspergé le sang sur le mizbéach, c'est passé que toute la viande allait devenir invalidée. La viande, il va falloir la brûler. Le sang, on ne pourra plus le verser au mizbéach parce que le sang qui ne vient pas pour permettre la chair, alors le sang ne pourra plus être aspergé. Et malgré tout, la peau restera au Kohanim, étant donné qu'au moment où l'animal il a été égorgé, il était apte à être offert comme il se doit au Mizbeach. D'accord, c'était le petit supplément. Il y a de quoi rallonger, mais je préfère me concentrer sur l'essentiel de la Mishnah, que pour le moment, donc, on a fait une différence entre deux situations. Si l'animal est devenu impur avant ou après avoir été dépecé. D'accord ? C'est-à-dire, si on a eu le temps de dépecer l'animal avant qu'il devienne impur, ou qu'il ait son problème, alors, malgré tout, la peau restera au Kohanim. C'est ce qu'on a appris. Amar Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim vient et m'enseigne. Miyamai, de mes jours, de toute mon époque où j'étais Kohen Gadol, lo raiti or yose le bet asrifa. Je n'ai jamais vu une peau qui sortait au bet asrifa. Littéralement, il vient répéter ce qu'on a dit juste avant, mais en réalité, il implique un cas beaucoup plus fort. Littéralement, il vient et te dit, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Ce que tu dis, c'est tellement vrai que j'ai effectivement jamais été témoin d'une scène où on a égorgé un animal, qu'on lui a retiré la peau, et qu'ensuite, la peau, donc la viande, il a fallu la brûler parce qu'elle a eu un problème, et qu'ensuite, on s'est mis à faire sortir la peau aussi derrière. Plus précisément, il vient me dire, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, sache qu'effectivement, je n'ai jamais vu une peau en l'état sortir pour se faire brûler parce qu'il y a eu un problème dans la viande. La preuve, donc, de là, tu pourras prouver qu'il faut dissocier la peau de la viande. Dès que la peau elle a été retirée de la viande, on s'en moque s'il y a eu un problème dans la viande. La peau, elle restera permise au Kohanim, puisque je n'ai jamais vu une peau qui partait se faire brûler. Voilà tel que c'est écrit. Il y a quelque chose en réalité d'un peu plus profond. Il y a un cas très particulier qui a autour de lui une discussion, comme la Mishnah d'ailleurs va me le dire ensuite. C'est-à-dire, je vous présente la suite de la Mishnah très rapidement. De cette halakha, il a dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Rabbi Akiva va déduire une halakha. Chachamim vont venir ensuite à la fin de la Mishnah, ils vont être cholek, vont discuter et réfuter Rabbi Hanina Sgan HaKohanim en disant que non, ce que ta halakha est fausse. Donc il y a une discussion spéciale. La question c'est de savoir de quoi on parle exactement, et c'est simple. Jusqu'à maintenant, on a parlé qu'on a égorgé le korban, on l'a dépecé, et puis après, la viande, elle a été impurifiée, elle a eu un problème, elle a été souillée. Qu'est-ce qui se passe si, une fois qu'on dépasse l'animal, on commence à décortiquer les différentes parts et on rend compte que l'animal, il était taref. Il avait un super trou dans l'œsophage. Ouais, donc en théorie, il était taref. Le korban qu'on a fait, c'était plus un korban. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau dans une situation pareille? Tanakama n'en a pas parlé. Et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim vient et en parle. Et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il nous dit, bah, sache que puisqu'au moment où tu as dépecé l'animal, pour le moment, le korban, il était censé être bon, apte à monter sur le misbéach. Lorsque tu as dépecé l'animal, tu l'as donné à Kohanim, et bien qui garde, que les Kohanim n'ont qu'à garder cette peau, même si finalement, il s'avère que le korban a été foncièrement pasoul, inapte à être offert, malgré tout, ce sera kasher. J'ai pas tellement compris la svara, la raison pour laquelle, mais c'est justement pour ça que j'ai ouvert le rite base, et d'après ce que j'ai compris, il parle pas directement de ça, mais en fait, je pourrais proposer, ouais, à titre personnel, que le principe, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le principe de dépecer l'animal avant d'aller le brûler, c'est un problème de bizayon bekochim, tu méprises les kochim. Au lieu d'aller le brûler, tu commences, ouais, imaginez que, devant un mort, avant de le tuer, on va commencer à récupérer ses cheveux parce qu'on va pouvoir faire une perruque, on va récupérer les ongles pour faire des faux ongles. Oh, ça va, il y a le respect du mort, d'accord, bah, c'est le même principe avec le korban qui doit sortir au bêta serifa, qu'il faut aller brûler. Tu ne vas pas commencer à le dépecer pour récupérer la peau, pour faire un petit peu de gain, hein, malgré la perte du bêta migdash. C'est pas digne, c'est pas mechoubad. Mais si toutefois tu l'as fait parce que tu pensais que tout était en bonne et due forme, et puis ensuite il y a eu un problème, bon, bah, garde la peau. C'est un peu le principe, d'accord. Si on explique comme ça, en tout cas, c'est pas assez précisé, mais en tout cas comme ça, j'interprète, comme ça j'ai compris, quoi.
que si on est prêt d'expédier de la sorte, alors c'est super. T'as égorgé le corban, il était censé être très bien, t'es parti, t'as aspergé le sang, tout se passait très bien. On a commencé à le dépecer, merveilleux, on retire la peau, on la donne au Kohanim, on commence à décortiquer les parts, et puis là on rend compte qu'on arrive à l'œsophage, à la trachée artère, à la je sais pas quoi, au poumon, on découvre là-bas qu'il y avait un super trou, que l'animal il était taref. Bon, alors d'accord, on va aller le brûler, mais a posteriori, il n'y a plus lieu de demander au Kohanim de rendre la peau, parce que la peau c'est un cadeau pour les Kohanim. Chachamim, apparemment, qui va y avoir à la fin de la Mishnah, ils vont discuter précisément sur ce point. Ils vont te dire, non, pas question. Un korban, qu'au moment où tu l'as égorgé, il n'était pas apte à être offert au Mizbéach, donc c'est un korban recalé, il n'est plus Olat Ish, comme ce qu'on apprend dans la Mishnah Bet, justement. Il n'est plus Ola Areouya, chez Ola Le Ish. Ce n'est plus un bon korban, c'était une erreur de parcours. C'est un korban pasoul foncièrement, de ce fait, sa peau aussi. C'était une erreur foncière aussi de la donner au Kohanim. D'accord? C'est la machloket qu'il va y avoir entre les deux. Au milieu, il y a Rabbi Akiva qui vient et qui déduit de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Et il nous dit comme ça, Rabbi Akiva. Là, il faut que je fasse une petite introduction. Vous parlez du Bechor Begulin. Un Bechor, c'est un premier-né animal d'une vache, d'une chèvre, d'une brebis. Premier-né animal, il est Bechor, il a une bouchette de Bechor. Il faut le donner au Kohanim. Et les Kohanim ont juste un devoir de l'égorger au Beth Amikdash, de verser le sang en un don de sang, c'est le Bechor, et comme ce qu'on apprenait là-bas dans la fin de Ezeum et Komech Ezrachim, et ensuite, ils récupèrent, si le pays se partage la viande entre eux, et aussi, ils pourront même aussi utiliser la peau. Ça, c'est quand le Korban s'est bien passé. Si toutefois le Korban, le Bechor a eu un moum, il a eu un défaut, il y a une masse entière dans Bechorot, où on définit quels sont les types de défauts, une faille, une ça peut être des fois une peau qui lui pousse dans les yeux, différents types de moumines, ça s'appelle les moums. Alors la Mishnah m'enseigne, elle me dit comme ça, elle me dit, si le Bechor il a eu un moum, la halakha du Bechor, la Mishnah me dit, si le Bechor il a eu un moum, eh ben, tu devras, toi le Israël, donner le Bechor au Kohanim, et les Kohanim n'iront plus en faire un korban. Ce sera un bien pour les Kohanim. Un bien pour les Kohanim qui pourront manger à leur table normalement. Ils pourront même récupérer la peau. Mais il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont interdites avec cet animal qui était initialement un korban. Ils n'ont plus le droit de faire ce qu'on appelle Gizav à Avoda. Ils n'ont plus le droit de travailler avec cet animal. Ils ne pourront plus le tondre pour récupérer sa laine, pour en faire des peaux, pour en faire de la laine. D'accord ? Maintenant. Lorsque le Bechor, qui a eu un moum, meurt de manière naturelle, je n'ai pas le droit de donner sa viande au chien ou au goïm. Il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait avec la peau? Lorsque le Corban il a eu un psoul, lorsque le Bechor a eu un psoul, qu'est-ce qu'on fait avec la peau? Sur ça, alors, tout d'abord, dans un cas classique, lorsqu'il est mort de mort naturelle, le Bechor, eh bien, la peau, il faut l'enterrer avec. Ça, c'est une halakha claire, admise de tout le monde. Rabbi Akiva va venir et va m'apprendre maintenant. Il va me dire, sache que si tu as égorgé le Bechor, toi, le Kohen, tu as reçu dans ta ville, à Tel Aviv, Natania, tu habitais là-bas, tu as reçu un Bechor qui avait un défaut. Donc, tu avais le droit de le manger. Tu l'as égorgé pour le manger, tu as dépecé l'animal, et en décortiquant les parts que tu allais manger pour ta Seouda, tu as découvert qu'il y avait là-bas qu'elle était très fine. Qu'est-ce que tu fais avec la peau? Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva m'enseigne. Midvarav Lamanou, des paroles de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, j'apprends. Shamafshit et Bechor, celui qui va dépecer un Bechor, un premier-né animal. Et une fois qu'il l'a dépecé, Benimtsa Treifa, il s'avère que ce Korban, que ce Bechor, donc qu'il est en train de manger, même Bigvoulin, même dans sa ville à Tel Aviv, eh ben. Il s'avérait que Nimtsa Treifa, il était taref, inapte à la consommation. Alors qu'est-ce que tu fais avec la peau? Eh bien, Sheye Otu à Kohanim Beoro. Les Kohanim pourront profiter de sa peau, malgré tout, étant donné qu'elle a été dépecée de manière permise. Si toutefois il y a un bug à posteriori, eh bien c'est pas grave. La peau, elle te restera en droit et tu enterreras le reste de la viande uniquement. Les Chachamim ne sont pas d'accord, ni avec Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, et ni même avec Rabbi Akiva et sa déduction, ça va de soi. Rabbi Chachamim vont rétorquer à Rabbi Hanina Sgan HaKohanim,
D'où elle vient ta preuve, Rabbi Hanina? Que tu n'as jamais vu qu'on faisait sortir de la Hazara une peau pour aller la brûler? En l'orainu re'aya. Dire que j'ai jamais vu une chose pareille, c'est pas une preuve que la chose elle ne pouvait pas être produite. Peut-être ça s'est produit, t'as pas fait attention. Peut-être ça s'est pas produit parce qu'il n'y a pas eu de concours de circonstances pareilles. Mais malgré tout, en l'orainu re'aya. Dire que tu as jamais vu, j'ai jamais vu, je sais pas moi, j'ai jamais vu un rave manger du chocolat, donc le chocolat c'est pas cachère. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? T'as jamais vu en l'orainu re'aya. Le fait de ne pas avoir vu n'est pas une preuve. Et là, Yotse, les bêtes à Sreifa, et là, réellement, la peau même si elle a déjà été dépecée, mais que le corban il a été invalidé, que la peau, que la chair ne pourra plus monter sur le misbéar, et ben, Yotse, les bêtes à Sreifa, même la peau, il faudra aussi la sortir et la faire brûler. Pour la halakha, si ça vous intéresse quand même, la halakha, elle est établie comme Chachamim à propos des korbanot, tandis que pour le Bechor, elle est établie comme Rabbi Akiva, c'est rapporté dans le Barthénora, la halakha Rabbi Akiva, Bechor, Balmoum. Mais elle ne sera pas comme Chachamim, et c'est tout pour eux. Mais elle sera comme Chachamim à propos des korbanot au Beth Amikdash. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous savez.